en fonction de vos ressources et de votre projet, on décidera de venir faire une visite technique. Donc, soit un thermicien, soit une conseillère adaptation, soit un technicien viendront chez vous lors d'une visite pour faire un état de lieu du logement et voir avec vous quels sont les travaux à réaliser. Après cette visite, on va vous envoyer une étude de faisabilité ou bien une esquisse d'aménagement pour vos travaux d'adaptation. Suite à la réception de cette étude, on va vous demander de nous envoyer toutes les pièces nécessaires à la constitution du dossier. L'équipe du Pacte est là pour faire l'intermédiaire entre le propriétaire et les organismes financeurs. Donc le propriétaire doit envoyer systématiquement les pièces au Pacte des Landes et c'est le Pacte qui se charge de distribuer les différentes demandes de subvention aux organismes financeurs, que ce soit l'Agence nationale de l'habitat, le Grand Dax. À partir du moment où vous avez tous les accords des organismes financeurs, vous pouvez commencer les travaux. Et à la fin, quand vos travaux sont terminés, vous nous transmettez les factures et nous, on va faire la demande de paiement. Et on va vous proposer une date de visite d'achèvement de travaux. Donc on va venir voir si les travaux ont bien été effectués et si les travaux qui étaient prévus initialement correspondent bien aux travaux qui ont été réalisés au final. Les permanences se déroulent au 15 avenue de la Gare, le mardi matin de 9h30 à 12h30 et le mercredi après-midi de 13h30 à 16h30. Vous pouvez venir à n'importe quel moment et venir rencontrer la conseillère Habitat qui sera en permanence.